Bonjour à tous. On connaissait le bed and breakfast en Angleterre, la casa rural en Espagne. Quand les deux concepts s'associent, cela donne le bed y casa, littéralement lit et maison. Un joli mélange de culture pour un tourisme qu'on qualifie d'alternatif. Pour se familiariser avec cette nouvelle façon de voyager, faisons connaissance avec la fondatrice de ce concept qui met en relation les hébergés et les hébergeurs, Magali Boisseau. Magali, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau des coulisses du voyage. Bed y casa, un concept assez récent, qui est né en 2007, mais l'idée ne vous est pas venue en 2007, elle vous est venue il y a bien longtemps, quand vous étiez encore une jeune adolescente. Oui, plutôt, j'avais 13 ans, c'était en Angleterre, je suis allée en famille d'accueil, comme on peut le faire quand on fait un jumelage, vous savez. Oui, pour entre, apprendre la langue. Voilà, pour apprendre la langue entre les collèges. Et ça m'a bien plu, j'ai perfectionné mon anglais à ce moment-là, j'ai rencontré une famille adorable avec qui on est toujours en contact. D'accord. Depuis. Et puis ensuite, j'ai bien aimé ce concept et dans mes voyages, que ce soit à titre personnel ou professionnel, j'ai toujours choisi ce type d'hébergement, donc famille d'accueil, bed and breakfast quand je travaillais, c'était très pratique. Et puis, Casa Rural en Espagne, j'ai fait les riades au Maroc. Enfin, en fait, dans chaque pays, chaque continent a son propre type d'hébergement, mais c'est toujours chez l'habitant. C'est toujours une façon alternative de découvrir le pays. Le nom Bed y Casa, on le disait, qui vient d'Angleterre, Espagne, les deux langues les plus parlées dans le monde du tourisme. C'est voulu d'avoir eu ce nom, de se rallier à quelque chose de déjà connu? Oui, tout à fait, c'est intentionnel. On a voulu, en fait, par le bed, qui est la représentation du bed and breakfast en anglais, et le casa, qui est la casa rural en Espagne, on a allié les deux, on a mis un Y espagnol, et puis il y a beaucoup de voyelles, donc c'est facile à mémoriser, donc bed y casa, ou bed y casa, si on le prononce à l'espagnol, voilà, pour représenter un petit peu toutes ces formes d'hébergement. Alors, qu'on comprenne bien comment fonctionne le site, c'est un site qui propose différentes formes d'hébergement, qui propose soit d'héberger, soit d'être hébergé. Il y a une offre très diversifiée. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, à la différence de nos confrères, qui sont plus spécialisés soit dans un pays en particulier, soit dans un domaine, par exemple gîte ou chambre d'hôte en France, nous, on va avoir un éventail beaucoup plus large, donc des bed and breakfast, des chambres d'hôtes, des gîtes, mais notre cœur de cible, c'est plus la famille d'accueil, la chambre chez l'habitant, la location insolite. On a des troglodytes, chambres d'hôtes, on a des yourtes, on a des péniches, des cabanes dans les arbres. Jamais le pur hôtel simple, ça, non, vous ne le faites pas. On ne fait pas. De là, on vous qualifie de tourisme alternatif. Voilà. Mais est-ce que dans cette offre très diversifiée, on ne va pas un peu se perdre finalement dans ce qu'on recherche? Est-ce que vous, vos valeurs principales, vous savez encore les maintenir? Oui, alors en fait sur le site, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Donc vous avez un moteur, vous avez 5 moteurs de recherche. Et par exemple, si vous êtes dans le moteur de recherche avancé, vous voyez que, par exemple, vous voulez un bed and breakfast en Angleterre, vous voulez y mettre tel budget, vous allez chercher cette information. Si vous êtes un étudiant, vous allez plus vous orienter vers une chambre chez l'habitant, par exemple au Pérou, pour pouvoir découvrir ce beau pays, sa culture, sa langue, etc. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, on va dire, et puis après, on fait son choix sur le site. On va parler de sécurité. C'est vrai que quand un parent qui voudrait, par exemple, envoyer son enfant, son adolescent dans une famille d'accueil, ou même des personnes qui voudraient voyager et aller habiter chez quelqu'un, on a toujours un peu peur de où est-ce qu'on va tomber, ou qui est-ce qu'on va recevoir chez soi si on héberge quelqu'un. Comment est-ce que vous contrôlez tout ça? Alors, nous, au départ, je vais revenir en arrière, quand on a construit ce site, on s'est basé sur un réseau personnel, tout simplement. À force de voyager, on a tissé des relations à l'étranger, dans chaque pays. Et au départ, les offres qui sont sur le site, elles nous proviennent de ces réseaux, de ces correspondants à l'étranger. Donc, ces correspondants vont visiter les familles, et c'est grâce à eux qu'on a ces familles d'accueil qui sont sur notre site. D'autre part, les familles d'accueil doivent obligatoirement nous donner leurs coordonnées. Donc, s'il y a un problème sur le site, on peut retrouver cette famille très rapidement, puisqu'on a ses coordonnées, son adresse, son téléphone et son email.
Et troisièmement, les voyageurs qui vont dans ces familles, que ce soit famille d'accueil ou que ce soit chambre d'hôte, ils ont la possibilité de mettre un commentaire qui permet ensuite aux autres voyageurs de voir si la famille, petit à la petit, chambre, vous allez apprendre à connaître les gens qui, voilà, tout à fait, qui hébergent avec un suivi quand même qui va être fait. Oui, en fait, c'est le contenu, la richesse de contenu provient véritablement des utilisateurs du site hein, qui interagissent entre eux, hein, qui discutent des familles, des chambres d'hôtes qui ont été voir, etc. Alors sur votre site, on va aussi trouver ce qu'on appelle le coach surfing. Alors ça, c'est une tendance très à la mode. Le coach surfing, c'est le fait d'accueillir quelqu'un chez soi qui va dormir sur son canapé, par exemple, ou par terre même parfois, une tente dans le jardin. Et puis même si la personne ne peut pas accueillir la personne chez soi pour loger, elle va pouvoir lui servir de guide dans une nouvelle ville. Et c'est un concept qui est très à la mode. Ça aussi, vous le proposez. Oui, tout à fait. Ça marche bien, ça? Ça aussi, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. On a un public pour ça. Moi, je l'ai pratiqué à de nombreuses reprises. Et je dois dire que quand j'étais étudiante, c'était baroudeuse, on va dire. C'était très pratique. Et là aussi, ça fait un petit peu peur, peut-être, une jeune fille qui part chez un étranger, ne le connaît absolument pas. On dort chez la personne, dans son salon, sur un fauteuil. Il n'y a pas une peur. Il n'y a pas un risque, finalement. Ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie, vous savez, c'est soit vous vous dites, on va aller dans un hôtel très sécurisé, on va faire un voyage très organisé, etc. Soit vous vous dites, on va un peu casser la routine et on va partir un peu à l'aventure. En même temps, il faut savoir que ce genre de personne-là, moi j'étais affiliée à d'autres réseaux, je suis toujours affiliée, j'ai jamais eu de problème. Parce que vous avez une mentalité qui est altruiste, vous voulez aller vers l'autre, donc vous faites l'effort d'aller vers l'autre, et donc vous allez bien l'accueillir. Ouais. Et en général, quand vous allez chez ces personnes qui vous prêtent un petit coin de canapé, vous allez sur le matelas ou même vous plantez votre tente dans le jardin, en général, c'est des personnes qui sont un peu votre miroir, en fait. Elles sont prêtes à vous accueillir et prêtes à faire l'effort de vous accueillir, peut-être même plus que quand vous allez dans un hôtel classique de touristes. Vous avez donc monté ce site de voyage, de tourisme. On le sait, il y a énormément de concurrence dans ce domaine. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à tous les sites concurrents? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on propose 43 types d'hébergements différents dans plus de 144 pays. Donc, on est mondial, on n'est pas sur un seul pays. On a décidé de réunir tous ces hébergements. Donc, ça va de château, chambre d'hôte à la famille d'accueil au Mexique. Donc, vous voyez, vous avez un éventail qui est assez large. Mmh. Et d'autre part, on mise sur l'adéquation entre les deux profils, hein, le profil voyageur et le profil hébergeur. C'est-à-dire que vous allez avoir un formulaire que vous allez remplir. Et ces deux formulaires, à un moment donné, on va vous demander votre personnalité, vos goûts, vos loisirs, le type d'hébergement que vous souhaitez. Et puis ensuite, à la fin, vous allez avoir des affinités avec les hébergeurs ou les voyageurs. Vous parliez là, par exemple, de logements en château. Comment est-ce qu'on pose la frontière entre le tourisme classique et le tourisme alternatif? Où est-ce qu'on met la limite, finalement? Alors, nous, on part du principe que le logement en château, c'est pas le château. C'est un château qui est luxueux, mais c'est un château chambre d'hôte où véritablement les propriétaires du château vont être là pour vous recevoir, pour vous guider dans vos choix et pour vous faire à manger. Donc c'est plus que de l'hôtellerie classique. C'est encore chez l'habitant, mais dans un château. Vos objectifs, Magali, de Bedicasa, quels sont les objectifs principaux? Alors, l'objectif en premier, c'est de réunir tous ces hébergements et que, par exemple, vous avez votre petit guide et vous êtes dans un pays et vous cherchez un hébergement rapidement, un petit peu comme un hôtel, et bien vous allez aller sur le site en Wi-Fi ou sur le site Internet, vous allez dans un café Internet et vous trouvez votre hébergement sur notre site. Ensuite, le deuxième objectif, c'est véritablement de faire en sorte, alors après c'est peut-être un peu utopique, mais c'est de faire en sorte de véhiculer une nouvelle image de la France, des Français et puis des autres populations, d'intensifier les échanges, exactement. Et puis troisièmement, si on peut faire en sorte d'améliorer la vie locale des populations, Alors comment est-ce qu'on fait ça pour